La nuit venue, elle se retire. Elle allume deux ou trois bougies. À son bureau, comme pour s'instruire, elle s'entoure d'astrologie. La voie laquelle se promène entre sextile et carré. Quand une opposition la gêne, sur une conjonction elle va se pencher. De signe en maison elle promène, elle va se perdre dans l'ascendant. Mais pourquoi donc c'est énergumène? Un lion vient faire le résistant. La voie laquelle se questionne face à son scorpion natal. En maison 8, ça la chiffonne. Il y a des mystères, mais rien de fatal. Juste à côté de son soleil, voilà que Mars a de l'allure. En chef guerrier, il n'a pas son pareil. Aucune guerre n'est à exclure. De maison en maison, elle déménage. Vénus en 7 y fait l'amour. Il faudra guetter son mariage. Sera-t-il rimé avec toujours? Et voilà que l'on sonne à la porte. Minuit déjà, mais c'est donc lui. Après tout, les astres, peu importe. À son âge, elle peut gérer sa vie. La porte s'ouvre, voilà qu'il entre. Il est là, son Merlin l'enchanteur. Elle a des frissons qui la tourmentent. Ce sont des signes annonciateurs. Elle a refermé sa carte du ciel. Pour l'instant, ce n'est pas le principal. La nuit aura le goût du miel. Laissons dormir le thème natal.